Nous allons nous exhorter. Or we are going to give ourselves advice. Sur les prières offensives. On the offensive prayers. Vous notez ceci. Write this down. Les prières offensives. Offensive prayers. Sont les prières qui concernent l'art d'attaquer l'adversaire. Are the prayers regarding the art of attacking the adversary. Une prière est dite offensive. A prayer is said to be offensive. Quand elle anticipe. When it anticipates. En attaquant l'ennemi. By attacking the enemy. Tu n'attends pas d'être attaqué. You don't wait to be attacked. C'est toi qui vas le premier. You are the one to start. Détruire les plans du diable. You go and destroy the plans of the devil. Bonsoir et bienvenue, précieux téléspectateurs de la RTVC. Je suis bénie de vous retrouver dans votre émission. À vous la parole. La prière offensive est une prière qui consiste à attaquer l'ennemi par anticipation. Quel est son objectif? Quels sont les sujets de prière pour lesquels adopter la prière offensive? Sont autant de questions auxquelles a répondu le pasteur Boniface Meynier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, au cours de formation des dirigeants spirituels. À vous la parole. Ce soir, j'ai été béni profondément par l'enseignement que nous avons eu, que Dieu nous a donné ce soir à travers son serviteur, le pasteur Meynier, qui nous a donné les stratégies spirituelles, c'est-à-dire la prière offensive. Un enfant de Dieu ne doit pas attendre à ce que Satan l'attaque avant de prier. Il faut en avance faire des prières de protection qui sont des prières offensives. Et au-delà de ça, j'ai aussi saisi que tout ce qui arrive, c'est Satan qui est derrière. Il faut voir Satan dans toutes choses. Et donc c'est lui qu'il faut combattre, c'est lui qu'il faut attaquer. Donc il faut d'abord l'attaquer avant que ses plans n'interviennent. Et je veux bénir le Seigneur parce qu'il nous a donné des stratégies pour prier sérieusement pour l'œuvre. Que la gloire lui revienne. Amen. Les sages prient. The wise people pray. Longtemps avant le danger. Very long before the danger. C'est ce que le frère a dit qu'il faut bâtir une haie. This is what the brother Zach said we should build. Bâtir une muraille. Une clôture. A wall. De protection. Of protection. Tu anticipes, tu devances le mal. You go before your enemy. Et c'est ça qui manque à beaucoup de frères. And this is what is lacking in many brothers' life. Je veux dire que c'est ça qui nous manque. I just want to say that this is what is lacking in our lives. Et c'est ça que Dieu veut que nous apprenions. And it is what God wants us to learn. Des gens qui prophétisent. People who prophesize. Par la qualité et le type de prière. By the quality and the type of prayers. Il ne faut pas que l'ennemi te surprenne. The enemy should not surprise you. C'est toi qui dois le surprendre. You are the one who must surprise him. Ce qui m'a marqué ce soir, c'est bien sûr la prière offensive. La prière offensive, qu'il ne faut pas attendre que le diable t'attaque avant d'attaquer. Et il faut protéger les projets à l'avance. Il faut protéger par la prière les projets, tout ce que nous voulons faire, les voyages, il faut les protéger à l'avance. Cela m'a conforté parce que faut dire que j'ai pris beaucoup pour mes enfants, surtout pour mes filles. J'ai pris que Dieu les bénisse avec des maris qui les aiment, des maris qui prennent soin d'elles, qui ne les maltraitent pas. Comme moi, je n'ai pas maltraité leur maman. Et elles sont petites. L'aînée a 18 ans, la petite, la dernière, elle a 8 ans. Mais j'ai pris. J'ai pris pour la protection. Et ça, ça m'a vraiment conforté. Et j'ai vu que j'étais dans le bon chemin. Voilà. Et donc, il faut vraiment prier à l'avance. Et quand le pasteur nous disait ça même par rapport
à la prière pour la nation. Il disait comme ça, je crois que c'était le vendredi passé, ou bien je ne sais pas quel vendredi, mais il disait comme ça qu'il fallait prier pour la nation avant que les crises ne surviennent. Et que quand les crises surviennent, bon, on ne peut plus rien faire parce que c'est déjà arrivé. Et donc je crois qu'on est dans cette même dynamique-là de prévenir les plans, les ruses de l'ennemi, de les détruire à l'avance avant que cela n'apparaisse. Voilà, donc je pense que cet enseignement qu'on a eu ce soir m'a beaucoup fortifié et m'a permis de renforcer davantage ma foi en la prière offensive. Voilà, on l'a fait, mais souvent on ne comprend pas, mais aujourd'hui j'ai mieux compris. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Jésus dit, so Jesus says, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand le danger arrive, when the danger is coming, comme Jésus a annoncé les choses qui vont arriver sur la terre, as Jesus has announced things that will happen on earth, les persécutions, les catastrophes, et tous les malheurs, les guerres, and les inondations, the incident, the wars, que faire? What should we do? Pour rester debout, to remain up, il faut prier avant que ça n'arrive. We must pray before they happens. Il faut veiller et you prier. Must watch out and le pray. Matin, par exemple, in the morning, for instance, tu couvres ta journée. Tu couvres tes activités. You cover your day, you cover your activities. Tu détruis les plans de Satan contre toi pendant la journée. You destroy all the plans of Satan against you during the day. Au début d'une année, at the start of a year, tu protèges toute l'année. You protect the full year. Tu protèges toute chose qui t'appartient. You protect all that belong to you. Ce soir, à l'enseignement, j'ai été marqué par deux vérités. La première, c'est que le pasteur, il a dit qu'on se réveille le matin, il est important de protéger tout ce que nous avons dans les mains du Seigneur. Et j'avoue que souvent, il y a des journées où je me lève, je fonce sans prier. Et cette vérité m'a beaucoup marqué. C'est-à-dire dans ce sens où je dois protéger toutes mes activités, mes affaires, mon business, mon travail, ma femme et mes enfants. Et cela m'a beaucoup béni. Ensuite, la deuxième vérité, c'était lors de la prière où le pasteur nous a dit de regarder dans le passé et de juger et de briser tout ce que le diable avait semé. En fait, dans ma vie, depuis un moment, chaque 3 mois de la nouvelle année, soit on me vole, soit je perds quelque chose. Et même l'année dernière, j'ai perdu la somme de 1 million avec mon ordinateur qui a été volé. Et j'ai jugé cela suite à ce que le pasteur a dit. Donc vraiment, c'est un enseignement qui m'a beaucoup béni. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai été là ce soir. Amen. David dit qu'il tuait les lions pour arracher les brebis que le lion voulait dévorer. David said that he killed the lions to take the sheep from the hands of the lions. Et il avait une technique. And he had a technique. Il enlève d'abord la brebis. He first removed the sheep. Il ne commence pas la guerre avec le lion. He did not start the war with the lion. Il arrache d'abord la brebis. He take the sheep. Et le lion s'est fâché donc parce qu'on a arraché sa nourriture. Il voulait quand il veut bondir, David arrête, il déchire, il tue, c'est fini. And the lion who is angry because they have taken his food wants to jump and devil tear it. Et il part avec sa brebis. And he goes with the sheep. Ne perdons aucun frère. Let us not lose any brother. Nous connaissons le plan de Satan. We know the plans of Satan. Si tu diriges une assemblée, if you lead a church, a house church, ne permets pas que les êtres humains te dirigent. Do not allow human being lead you. Que les frères ne te trompent pas, chasse-le. Let no brother deceive you and tell you, cast him. Protège tous les faibles. Protect all the weak ones. Avec une grande énergie. With a big, a great energy. Nous connaissons les plans de Satan. We know the plans of Satan. Le diable veut que tu abandonnes tous et il va les récupérer. The devil wants you to abandon all of them and he will collect them. Ne chasse aucun frère.
Don't chase any brother. Laisse les gens s'excommunier eux-mêmes. Let people excommunicate themselves. De telle sorte que même leurs fesses même refusent de s'asseoir sur nos chaises. So that their own buttocks refuse to sit on our chairs. Là, le diable va dire à son armée, méfiez-vous de celui-là, il ne perd aucune brebis. And the devil will tell to his army, take a watch out and be careful about this one. He loses no sheep. Le Seigneur dans sa grâce m'a permis d'être là ce soir pour suivre la formation des dirigeants spirituels. Alors, pour ce soir, la vérité vraiment qui m'a béni de tout ce que le pasteur Meunier a dit, c'est là où il a dit qu'on ne doit pas excommunier un frère. Je vous dis la vérité, moi-même j'avais déjà pris la résolution de le faire en tant que dirigeant. Parce qu'il y a une brebis vraiment qui avait beaucoup de choses. Et cette vérité m'a vraiment béni. Je suis sûr que c'est à cause de moi que le Seigneur a dit cette vérité. Et j'ai pris la résolution de restaurer le frère, de prier pour lui, de protéger sa foi, de tout faire pour qu'il reste dans le corps de Christ. Si demain il doit partir, qu'il parte de lui-même, selon que l'enseignement nous a été révélé ce soir. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Les apôtres, apostles, n'avaient pas oublié ça. Did not forget that. Le diable a un plan. The devil has a plan. Il faut détruire ça. That should be destroyed. Quand tu bâtis un mur. When you are building a wall. Tu dis, oh Seigneur, que tel frère ne soit pas dévoré. Que tel frère. Et tu commences par ceux qui sont à la frontière, qui partent jouer sur le territoire du diable. You start by those who are at the boundary. Who tu, les protèges, to go and play on the territory of the devil. You protect them. Certains frères, leur manière de marcher les met en sécurité même. Some brothers, the way they walk, put them in security. Mais il y en a qui jouent à la frontière. But there are some who play at the boundary. Il faut protéger. Il faut protéger. You must protect. Il faut protéger. You must protect. Que rien du camp de Satan ne touche à leur vie. Let nothing from the camp of Satan touch their life. Je vais être infiniment reconnaissant au Seigneur concernant l'enseignement du jour. Il faut dire que ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Surtout la partie où le Seigneur nous amène à prier d'avance, c'est-à-dire à effectuer des prières offensives de sorte à protéger nos brebis contre les attaques de Satan. Il faut dire que nous qui avions des assemblées et aussi qui sommes responsables des jeunes, nous nous rendons compte de plusieurs situations. Et souvent, c'est lorsque nous sommes dans le feu de l'action que nous voulons maintenant nous mettre à la tâche pour vouloir prier maintenant. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur nous montre une autre technique pour même éviter que ces situations arrivent. C'est vraiment une vérité qui m'a vraiment marqué. Et je sais qu'à partir de ce que le Seigneur vient de nous enseigner aujourd'hui, on pourra, au sortir d'ici, aller déjà commencer à mettre en application. Et par la grâce du Seigneur, nous savons que pour cette année qui vient de commencer, parce que nous sommes déjà au deuxième mardi, et pour cette année qui a commencé, nos brebis et nous nous porterons bien. Et le but sera atteint. C'est-à-dire que nous n'allons pas perdre de brebis, mais nous allons en gagner en grand nombre pour la gloire du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, when you give your life to Jesus, tu es déjà engagé, you are already engaged, dans un conflit, in a conflict, avec les forces du mal, with the evil strengths. Les prières offensives permettent aux croyants de détruire les plans du diable. The offensive prayers allow the believer to destroy the plans of the devil. Afin que celui-ci ne puisse pas se lever pour entreprendre quoi que ce soit. So that this one should not be able to stand up and enterprise anything. Afin que le diable ne puisse pas se lever should not be able to stand pour entreprendre quoi que ce soit. And start something. L'enseignement qui vient de se passer parle de la prière offensive ou de la prière offensive. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un certain type de prière que l'enfant de Dieu doit élever au Seigneur pour attaquer le diable.
pour... c'est pourquoi, d'où l'adjectif offensif, c'est-à-dire permettre à l'enfant de Dieu de combattre l'ennemi à partir de l'avenir, à partir de ses projets, de ses propres projets contre toi, contre ta vie ou contre un autre enfant de Dieu sur lequel tu es supposé veiller. Donc, nous avons été richement bénis, nous avons été édifiés et nous croyons que nos églises auront d'autres couleurs. Parce que dès cet instant-là, nous allons nous mettre à prier pour nos enfants spirituels. Non seulement pour nos enfants spirituels, mais pour nous-mêmes, parce que nous en avons grandement besoin. Nous avons remarqué que le plus souvent, les enfants de Dieu souffrent. Ils souffrent parce qu'ils ne font pas de prières offensives. Ils attendent de subir les oppressions du diable pour opposer le diable, pour le juger. Ça, c'est les prières défensives. Mais les enfants de Dieu souffrent le plus souvent parce qu'ils n'ont pas de prières, ils n'ont pas d'intention, de projet, de prière offensive. Et vraiment, nous avons reçu tout ce qu'il faut cette nuit ou ce soir pour révolutionner notre vie de prière de tous les jours. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, nos vies vont changer, nos vies de prière vont changer et nos églises aussi pourront changer. Parce que la prière, c'est la locomotive sur laquelle se déplacent les desseins de Dieu. Sans prière, on ne peut pas avancer, on ne peut même pas servir Dieu. Notre vie tout entière même est décousue, c'est ruiné pour toujours. Et Jésus a dit, il faut que vous priez. Quand vous voulez prier, rentrez dans la chambre, entre les quatre murs de votre chambre, vous intercédez, vous priez. Et votre Père qui est dans les cieux vous écoutera. Et l'apôtre Paul dit, priez sans cesse. Donc c'est-à-dire, l'enfant de Dieu doit prier sans cesse. On parle aussi de prières défensives, de prières offensives. Et nous avons reçu toutes les âmes nécessaires ce soir. Nous sommes reconnaissants envers le Seigneur. Le pasteur Mignon Boniface nous a vraiment édifiés par sa parole puissante. Et nous croyons que nous sommes bénis. Dieu veut que God wants us ses enfants want his children anticipent to anticipate qu'ils devancent le mal. They must go before the evil. Qu'ils attaquent pour détruire les projets du diable. He wants them to attack and destroy the projects of the devil. Avant même qu'il ne puisse se lever before pour faire quoi que ce soit. He could stand up and do anything. Cloué sur le sol. Destroyed on the spot. Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Quand tu pries, si tu diriges une assemblée de maison. If you are leading a house church. Tu protèges la foi de chaque frère. When you pray, you protect the faith of each brother. Jésus a passé toute une nuit. Jesus spent all the night. À bâtir une haie building sur la foi de Pierre. Of protection around Peter. Sur la foi de Pierre. Around the faith of Peter. Pierre avait la foi. Peter had faith. Ça, c'était pas beaucoup. Jésus l'a appelé homme de peu de foi. It was not much. Jesus used to call him man of little faith. Quand il avait marché sur l'eau un peu. When he walked a while on mais le waters. Peu là, Jésus a protégé. But the little ça. That he had, Jesus protected it. Il est le bon berger. And he is Jésus, the good c'est les shepherd. Nous là, on va gronder, tu n'as pas la foi, laisse-moi. If it was us, we'll just la rebuke him, you don't have faith. Pierre. The small faith of Peter, qui l'a fait marcher un peu sur l'eau, là. Which made him walk a while on the waters, on Jésus, the sea. Jésus a protégé par une grande muraille. Jesus protected by a big wall. Et je rends grâce au Seigneur pour ma présence à l'enseignement. Et avec ce que j'ai entendu. Nous devons investir des prières pour nos enfants maintenant, jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de l'adolescent, pour ne pas que nos enfants puissent rétrograder. Et nous allons nous atteler à ça, à prier, à investir des heures sur nos enfants. Parce que nous avons commencé, mais maintenant que j'ai entendu encore là, nous allons prier pour que nos enfants, jusqu'à l'âge de l'adolescent, ne rétrogradent pas. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons reçu plusieurs vérités. Mais la vérité qui m'a particulièrement marquée, c'est la vérité selon laquelle il fallait attaquer Satan avant qu'il nous attaque. Et cela m'a marquée. Parce qu'en réalité, très souvent, nous attendons que Satan
agissent et en réaction, en tant qu'enfants de Dieu, nous commençons à prier. Alors que cette vérité atteste que, avant que Satan n'attaque, nous les enfants de Dieu, nous avons déjà toutes les armes pour pouvoir contrecarrer tous ses plans. Ça veut dire que déjà nous détruisons tout ce qu'il a planifié faire. Et ça, c'est une vérité qui m'a marquée en tant que dirigeante. Et en tant que mère de famille aussi, ça nous permet de prier pour nos enfants de façon offensive par rapport à l'avenir. Et c'est un peu cette vérité que je voulais partager en tant que dirigeante. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois béni parce qu'il n'en sera pas autrement, Seigneur. Ça ne sera pas autrement, Seigneur. C'est le chemin. Seigneur, notre Dieu, la vraie prière habite le croyant. Et l'instinct spirituel, c'est la prière. Et à moins de dévancer les temps, de dévancer les situations, de dévancer les circonstances, de dévancer les événements, à moins de dévancer l'adversaire, Seigneur, à moins de le faire, Seigneur, il n'y aura pas de vie, il n'y aura pas de succès, il n'y aura pas de réussite. Oh Seigneur, je prie cette nuit, pendant que tu nous ramènes, Seigneur, accorde-nous la grâce de décider, de dévancer, d'attaquer, de ne pas rester, Seigneur, à la défensive. Oh Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères, je prie, Seigneur, oh Dieu, que nous aurions entendu ces choses, Seigneur, sois révolté, oh Seigneur, et que toutes les attaques, oh Seigneur, endormies en nous, soient manifestées, oh Seigneur, afin que le diable, Seigneur, oh, soit écrasé, et maintenu dans la défaite, oh Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme le disait l'orateur, il nous faut protéger tous nos projets de cette année 2024. J'espère que vous protégez déjà vos projets spirituels, financiers, matériels, académiques. D'ici là, je vous dis au revoir. Portez-vous bien.